Bonjour Elam, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi ça va, tu vois, je suis là avec mon café, j'attends que tu arrives. J'attends que tu arrives, tu t'installes là et puis on y va. On va y aller, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Alors, ben, n'hésite pas à t'installer. Regarde, je vais mettre le micro parce que pareil, on entend mieux. On entend mieux là, ouais. Tu me diras. En fait, j'en sais rien. Voilà. Allez, c'est parti. On entend pareil, peut-être, ou on entend mieux. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il va me dire. Allez. On va voir quel est le message d'aujourd'hui. Écoute, écoute. Écoute ta voix intérieure, écoute tes guides, écoute cette petite voix qui parle dans ta tête. Il y a peut-être quelqu'un qui a une petite voix qui parle dans sa tête, tu vois? Ok. Qu'est-ce qu'on a? Bon. Faire attention à ses priorités. Faire attention à ses priorités, tu vois? Et donner l'importance aux choses qui sont réellement importantes, prioritaires pour toi. En tout cas, on te dit d'agir avec sagesse. C'est bien le roi Salomon, tu vois, avec sagesse. Hein? C'est ton moi supérieur, tu vois, avec ce Merkaba au-dessus. C'est ton moi supérieur qui te dirige. C'est ton moi supérieur qui va te donner les informations, c'est lui qui va te donner. C'est où, c'est quand. Je sens qu'il y a. Il y a peut-être des énergies un peu pesantes autour, tu vois. J'ai les poils tout hérissés. C'est une horreur. Parce que bon, quand c'est doux, quand c'est doux, tu dis, tu sais que c'est quelque chose. Mais là, non. Peut-être on te dit là, tu vois, même s'il y a des choses obscures, non, ou difficiles, focalise-toi sur ce que réellement c'est important, tu vois. Oublie. Tu vois, mais tu prends ta sauge, ton palo santo, de l'encens, tu peux. Il y a pas mal de choses, du benjoui, hein, de la myrrhe. Hein? Moi j'aime bien, tu vois, qu'est-ce que je fais? Moi j'achète du charbon, des charbons, tu vois ce qu'ils font pour la kachimba là, la pipe, tu vois ce que je veux dire? C'est une pipe, c'est un truc arabe, je crois ça. C'est pour fumer en fait. Ben, moi, qu'est-ce que je fais avec? Je l'allume et puis je mets la mirra dessus, tu vois, le benchoui, et ben je m'en sers pour ça. Et ça marche bien parce que ceux qui s'allument tout seul, parce que la dernière fois j'ai acheté un paquet, il ne s'allume pas du tout tout seul. En fait, je dis, oh là là, j'ai un paquet comme ça de charbon. J'ai dit, mais j'en ai trop là. Et en plus, ils ne s'allument pas tout seuls. Alors, il faut les laisser pendant longtemps, tu vois, en train de les chauffer. Alors, c'est pour ça que je te dis, fais bien attention qu'il y ait auto-incendie. Donc, comment c'est Yama? Enfin, quand tu l'allumes à le briquet, quoi, ça s'allume et puis t'as pas besoin de batailler. Mais bon, ça vaut le coup quand même de batailler. Hein. De toute façon, le jeu en vaut les efforts. Donc voilà, de la myrrhe, du benjoui, tu peux en trouver de la résine, de l'encens naturel aussi. Ben, tu peux en trouver partout, hein. Je suppose sur Amazon. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est vrai, on trouve de tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Alors on te dit que au lieu de te prendre la tête avec ça, ben tu laisses à Dieu qui se charge de tout, lui se charge de tout ce qui est
tous tes tracas, tous tes problèmes, toutes ces énergies obscures, mauvaises, tu vois, parce que... C'est un truc, ça remonte, tu vois, ça te secoue, mais comme ça. Je sais pas comment expliquer, mais ça te laisse les poils tout hérissés, tu vois. Je sais pas, peut-être chez toi, quand tu passes dans certains endroits, tu sens des courants d'air, des sales courants d'air, tu vois, qui te font les poils tout hérissés, même de la tête aux pieds. Nettoie. Aspire si tu as un aspirateur, sinon tu passes le balai d'en arrière vers l'avant et on jette tout. On ramasse tout, même devant la porte, on ramasse tout et on va jeter dans le container loin là-bas. Hein? On met pas la poubelle dans la maison. Non. Quand on balaye la maison et qu'on balaye devant la porte, on prend une petite poche et on va le jeter là-bas, loin. Hein? Parce que pense-y, parce que combien de fois t'as ramassé et puis t'as pris une top poche et tu l'as mis dans la poubelle à la maison pour aller le jeter ensuite? Ben figure-toi que si on t'a mis un truc là, tu le mets dans la maison, tu vois? Alors voilà, ça, il faut faire attention. Il faut faire attention avec ça et puis n'hésite pas à... Si tu as de la ruda, et si t'as pas de la ruda, prends du romarin. Tu le mets dans le seau. Dans le seau. Dans ton seau pour laver par terre, tu mets des produits normaux et puis et tu mets des branches de romarin. Tu les laisses infuser pendant un bon moment, tu vois. Et après, tu nettoies tout là. Et tu jettes le seau devant la porte et tu frottes. Voilà. Pour rafraîchir. Hein. Si tu sens qu'il y a des énergies pesantes, lourdes, hein, chez toi, tu vas prendre des glaçons. Tu vas prendre des glaçons et on met dans les coins, tu vois. Alors, si tu veux pas que ça se mouille, tu les mets dans un verre, c'est pas grave, c'est pour rafraîchir. Si tu vois que c'est pesant, c'est lourd, on n'est pas tous en hiver, donc tu vois. Mais c'est parce que entre la chaleur et puis s'il y a des énergies pesantes, ça fait un truc, tu vois, on ne peut pas respirer là-dedans. Alors, reste focalisé sur ton objectif. N'oublie pas que ces personnes-là, démoniaques, peu importe. C'est pour les appeler d'une manière ou d'une autre karmika, non? C'est un karmika. Elles sont là pour te changer les idées, en fait. Pour te dévier, pour te faire penser à autre chose. Entretenimiento. Tu vois? Toi, t'es entretenu. Regarde avec ci, avec ça. Et en fin de compte, c'est parce que c'est ça, c'est leur travail. C'est leur travail. Mais on te dit, reste focalisé sur ton objectif. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Archange Michael, tu peux le faire. Et laisse à Dieu, que c'est l'archange Michael, c'est comme Dieu, c'est lui qui s'occupe de tout le travail sur ce plan-là, matériel, non? Et c'est lui qui s'occupe de tout. Donne-lui toutes tes préoccupations. Donne-lui tout ça. Tu peux lui parler si tu as envie, tu peux 0909, tu vois, ça va terminer, ça va terminer. Hein. Ça va terminer. Bah, allez. Elle te cesse. Tu peux lui allumer une bougie si tu en as envie. Une bougie, tu vois, longue, blanche. Hein. Blanche, et t'enlèves un morceau en bas. Tu l'allumes sur le dessus. Tu peux même le dire avec tes mots, c'est pareil. Du moment que ça vient du cœur, hein, que cette situation se retourne, non? On va retourner la bougie en même temps. Hein? Quand toi, tu retournes la bougie, pam!
T'as compris? Cette situation, elle se retourne. Peu importe. Il y en a qui disent, ah, mais c'est pas bien d'envoyer. On n'envoie rien du tout. On n'a rien demandé non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Simplement, on va retourner à la situation. Parce que si tu es dans une situation difficile de provoquer, ben écoute, hein, Sintiendo lo mucho, non? Mais Dieu, il sait ce qu'il a à faire. On n'a pas à s'y mettre. C'est lui qui voit. L'archange Michael, la source, l'univers, peu importe. On te dit, concentre-toi. C'est très important que tu restes concentré sur tes priorités. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a quelque chose à apprendre là. Il y a quelque chose à apprendre. En même temps, c'est comme que, il y a quelqu'un qui est concentré sur sa prospérité. Sa prospérité, son objectif de vie. Qu'est-ce que tu as envie de manifester? Peut-être une manifestation. On te dit ta vérité. Écris ta vérité. On te dit écris ta vérité. Hein? Alors, si tu aimes, même si tu n'aimes pas Bombay, petit à petit, tu peux le faire. Tu peux le dire dans ton téléphone, enregistrer des notes et ensuite aller voir quelqu'un qui, oui, il sait bien écrire et oui, peut t'aider. Hein? Ou le faire toi-même. De toute façon, peu importe, ça sera parfait. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait. C'est peut-être ta vérité. Tu as besoin d'écrire. Hein? Ici, on te dit que c'est très important l'équilibre entre féminin, masculin à l'intérieur de toi, que tu sois bien aligné, aligné avec tes propres énergies. Hein? Utilise le cristal. Utilise le cristal, tu peux utiliser la tourmaline sandia, la tourmaline melon, watermelon, watermelon. Ça, elle sert parfaitement pour ça, parce qu'elle a les deux énergies. Tu vois, masculin et féminin, vert et rose. Elle va t'aider à aligner tous tes chakras en même temps. Elle est magique. Moi, je l'adore. Bon, mais tu auras compris déjà, non? Si tu me connais, donc voilà. Je l'adore, mais c'est pas pour rien. Elle t'aide à canaliser en même temps, la voix de ton moi supérieur, non? Connectée avec les forces plus hautes, équilibrer tes énergies. Le yin, le yang. L'équilibre, c'est le plus important. Alors, n'hésite pas, pardon, à utiliser des cristaux. Et puis, en même temps, cristal transparent, non blanc, c'est pas le plus beau de tous, mais c'est le mieux pour te protéger. Il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à l'intérieur. N'hésite pas à utiliser aussi. En même temps, on te dit, sale du closet, sors du placard, hein. Sors du placard. Ici, il y a quelqu'un hein, ou qui écrit, qui écrivain, ou qui doit partager peut-être un blog, je ne sais pas, quelque chose. Ça, c'est toi qui le sais, hein. Ou qui doit faire un livre, ou un article, ou je ne sais pas. Ok? On te dit le pouvoir de la joie. Le pouvoir de la joie. C'est très important, élever ton énergie, c'est très important, travailler avec la flamme arc-en-ciel, c'est très important, car ça évitera d'avoir des failles, non? Dans ton aura, des failles. Grâce à ça, tu es indestructible. Tu vois ce que je veux dire? Grâce à ta joie, grâce à ton sourire,
Tu es indestructible. N'hésite pas à... Tu peux prendre des carottes toi aussi, hein? Du jus de carotte. Non, mais tu rigoles, mais ça rend aimable. Et c'est vrai en plus. Ça élève les énergies. Tu vois, fais-toi le challenge, hein? 5-5 des carottes. Ok? Déjà, ça va te donner beaucoup d'énergie, beaucoup de bienfaits. Hein? Et de joie en même temps. Donc, tout est bon. Tout est bon. Avant de faire ce challenge, il faut laisser certaines choses. Si tu as envie de le faire, renseigne-toi d'abord, ok? Le challenge 5 pour 5. 5 verres de jus de carotte pendant 5 jours. Ça te fait quelques kilos à utiliser, mais c'est très bien. Et puis, cherche le docteur Johnson. Tu vas le trouver. Si tu cherches le challenge, tu vas trouver. On te dit élève tes énergies. C'est très important pour toi. Sors de ton placard. Sors de ton placard. Ça va t'aider, hein? Ça va t'aider parce que ça va te donner de la joie, de la bonne humeur, de l'énergie. Tu vas te sentir tout neuf tout d'un coup. Hein? C'est très important l'équilibre. C'est très important. Et... Bah, se remettre dans une position neutre en fin de compte, le chemin du milieu, tu vois? Parce que quand on est trop d'un côté ni trop de l'autre, c'est pas possible. Parce qu'en fin de compte, on explose. Rends-toi compte qu'on est une boule de lumière comme ça là. Et quand on est cabreado, non? Quand on est fâché, quand on est sur les nerfs, on explose aussi, mais c'est pas très joli, 17-17, mais on explose quand même. On explose une certaine énergie, non? Et quand on est dans la joie, la bonne humeur, mais qu'on laisse tout sortir, ben on explose aussi, tu vois? Donc, c'est des pertes d'énergie en fin de compte. Utilise toutes ces énergies, reste neutre dans le chemin du milieu et puis utilise tout ça. Ben, faire naître cet écrit, ce livre, ce quelque chose-là. Tu es venu pour montrer, tu dois dire une vérité. Il y a quelque chose à écrire. Tu es un maître pour certaines personnes, non? On est tous des maîtres et des élèves, non? Et. Tu es le maître qui va donner la vérité sur certaines choses. On te dit que le moment est venu. Ouvre ton cœur et écoute. Écoute la guidance. T'as Jésus, t'as Marie, t'as Isis. T'as tout le monde. T'as Salomon. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as une armée avec toi. Tu as notre archange, non, comment il s'appelle? Saint-Germain. En fin de compte, c'est très important d'être toi-même. C'est très important de revenir à soi. C'est très important aussi trouver l'équilibre, pas seulement dans tes énergies, mais entre ton travail et ton temps pour toi aussi. Il faut que tu te trouves du temps chaque jour pour toi. C'est très important que tu prennes un temps pour dire, ben écoute, hein, j'ai besoin de ça pour moi et je vais le faire, tu vois? Et te sentir bien. Parce que parfois on fait des trucs pour nous et, oh mais aïe aïe. Là, maintenant, j'ai pas fait ça, et puis j'ai fait ça, et puis ça, c'était pour moi, j'aurais pu attendre. Non! T'aurais pas pu attendre. C'est aujourd'hui que tu vis. On te dit, des changements positifs arrivent dans ta vie.
Toi, tu es le magicien qui va les mettre en place. Regarde. Quand tu es aligné, tu es connecté. Utilise ta tourmaline. Achète-en une naturelle. Qu'elle soit naturelle, c'est le principal, non? Tu vois? Et puis, médite et tu vas voir comment ça va passer. Tu vas te connecter plus facilement avec ton moi supérieur. Hein? Commence à faire changer tes habitudes de manger, tu vois? Parce qu'en fin de compte, ben, plus tu allèges tes repas, tu manges correctement, pas des plats pré-cuisinés avec plein de poisons à l'intérieur. Il faut faire un détox. Tu vas voir, plus tu vas par là et plus tu vas canaliser plus facilement. Tu vois, 21-12. Tu vois? Hein? Tu vois? Voilà. Mais voilà, mais c'est ce que j'ai pour toi aujourd'hui. En tout cas, on te dit que ton destin, hein, toi, tu es là pour quelque chose. Tu as un rôle ici-bas. Tu as un rôle ici-bas. Écoute bien ta guidance. Et voilà. Moi, je te souhaite une bonne soirée. Une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. Bisous.